Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Salut Achara, salut Grodon, salut Dramo. Et bienvenue pour dernier stream sur Final Fantasy 3. Bonsoir Lille. Ouais. Alors, hier on s'était abandonné après avoir vidé toute la tour. Maintenant, faut repartir en haut de la tour. Mais avant ça, qu'on aille acheter des magies parce qu'on a vu qu'il me manquait des choses. Il me manque des choses, ça ne va pas. Ah super. Ah super. Quête annexe. Bah non du coup. Donc j'ai dit hier que je faisais pas de quête annexe. En vrai je m'en fous, je peux me soigner dans le vaisseau. Aéro X. Foudre X. Bonsoir Vilnavdask. Tu parles de Vilnavdask toi. Pouette, 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 pouette. Ah, je commence direct avec des pouettes. Alors par contre. Par contre. Les magies. Le village des magiciens. Il me faut mon ancien vaisseau. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'il faut aller sous la mer. Azardi. Bon, ça va aller vite, hein, vous en faites pas. En plus, là, j'ai plein d'argent. Donc, je peux en dépenser plein aussi. Ok, alors il me semble que c'est là l'entrée. Presque. Du coup, village de Doga, yes. Doga, gros bâtard de ses morts. Acuite, flèche tiens, flèche confusion, tout ça on s'en fout. Ensuite, dégâts de terre, fossile, ouais, reflet, et son radia. C'est tout ça que j'ai. En fait, pas, on va s'en sortir. Annule. Ah, ça. Annuler les effets bénéfiques. C'est quelque chose qui nous intéresse. C'était exactement cette magie-là que je voulais. La gomme. Ça, c'est des trucs pas intéressants. Pour mes persos, du moins. Tout ça. J'ai pas ça, mais je pense pas que ce soit ouf. J'ai chopé un guide. Pour les trésors sur Steam, aujourd'hui, et ben bordel. Vision, annule cécité. Après, vous me direz des magies niveau 3, je crois que j'en ai pas, donc à la limite. À la limite. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Ou même niveau 4, hein. Ah, c'est niveau 3. Non, c'est niveau 4, voilà, que j'avais pas. Hop. Erefia, elle va assimiler Gaume. Ok, c'est au même niveau que Foudre X, donc ça va, j'ai pas mal de MP. Alors, du coup, il y a eu beaucoup de boss hier soir. Oui. Énormément. Et c'est même dommage que t'aies pas été là pour dire lol first try. On en a tué 4 ou 6, je sais plus. Non, j'allais remonter, j'ai appuyé sur la touche. Attaque surprise de la part du monstre trop mignon. 5 boss, ok.
Pouet, pouet. Bah yes. Allez. J'ai pas envie de m'embêter. Voilà. 5 subs, c'est fou. J'en ai loupé un à Eureka. Quel dommage. Si peau grave. Ok. Donc là, on a ce qui m'intéressait. On va pouvoir reprendre notre vaisseau et repartir dans la zone de fin, du coup. Le château, il est là. Je me soignais une fois arrivé là-bas. Pour récupérer mes MP. Bon, en fait, le plus dur sera de faire toute la route en évitant de perdre de la vie ou voilà. Enfin, en essayant d'économiser la magie. Ce sera le plus compliqué, je pense. Du coup, demain exclusivement, tu live pas de flash, pas le flashback. Non. Bon, des flashbacks, on aura largement l'occasion d'en faire. Flashback, c'est aujourd'hui normalement. Oui. Mais juste là, je voulais finir parce que comme en fin de semaine, ben, je déménage et du coup, évidemment, on n'aurait pas internet tout de suite. Ben, je voulais finir à tout prix FF3. Parce que je sais même pas si je vais live vendredi en vrai. Je déménage samedi et j'aurai pas internet avant lundi du coup. Mais voilà, je sais pas trop. I don't know. Utilise la 4G, bah oui, évidemment. Tu sais combien ça pompe un live? Et j'ai pas un forfait de 50 000 gigas. Hein, genre, j'utilise quasi pas l'internet de mon portable. Donc, je crois que j'ai 10 gigas, un truc du genre. Et encore, c'est beaucoup, mais c'est parce que j'ai changé il y a pas très très longtemps, forcément. Avant, j'avais 2 gigas et ça me suffisait, quoi. C'est pas là. Moi, j'ai limité ce qui permet de voir ton live. Après, il y a une invention magique qui s'appelle le Wi-Fi. Ça marche pas mal, hein. C'est une nouvelle techno, hein, mais... cross ancien. Non, ça fait soigne. Ça fait fossile. Allez, la foudre. De la foudre, c'est cadeau. Pas de wifi. Le fait, je l'ai avec la partage connexion. Ouais, ah, le voisin, il a le wifi. Le wifi. Je sais que ça peut trigger des gens, donc... Oh! Ah, c'est ça, c'est Tempête de Neige. Le truc avec une animation quasi inexistante. Le voisin utilise mon wifi. Ah! Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Bah si tu veux, donne son adresse, hein, on va venir lui casser les genoux. Hein. Préparez vos battes de baseball, les gars. En plus, gratuitement. Mais il est fou.
Allez, ça dégage. Voilà, ça c'était le voisin. Vous voyez, 9800 dans sa gueule. Ah, et vivement lundi. Je vais chez le coiffeur. Là, c'est le bordel. J'ai pris ma douche juste avant, donc... Mes cheveux sont n'importe comment. Mais... Lundi, ça ira mieux. Tu vas te faire venir au quoi? Bah non, du coup. Je peux pas avoir des cheveux longs. C'est impossible. Je ne coupe afro. Alors là, c'est pour un autre problème. C'est couleur de l'infini grave. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux épais. Et du coup, en fait, si je laisse pousser mes cheveux, on va dire. Bah déjà, ils prennent pas de longueur. Et en fait, genre, ils étouffent mon cuir chevelu. Ce qui fait que du coup, bah ça peut faire des plaques ou des conneries du genre. Et c'est pas ouf. Et du coup... Bah la gorge. C'est pas bon pour les cheveux, il faut qu'ils respirent. Du coup je ne peux pas avoir des cheveux longs. Et j'ai pas forcément envie d'avoir des cheveux longs. Donc, barrasse-toi. Alors j'ai pas dit non plus que je voulais avoir la boule à zéro. Quand même un pas entre deux. En fait, c'est masculiniste. T'es contre les cheveux longs chez les hommes. Non, chez moi. Contre les cheveux longs chez moi. Ok, je me barre. Ah, mais j'ai absolument rien contre les gens qui ont les cheveux longs, attention. Il y a bien Sacha Alex, le viewer qui passe de temps en temps, du coup maintenant, qui a les cheveux longs et pas de problème. Avant là, j'avais les cheveux longs. Et tu les as coupés toi-même et ta mère elle a fait « Hey, what the fuck ?» Chez les hommes qui ont le pseudo Lund et qui ont les cheveux épais. Ce qui peut impliquer théoriquement deux personnes du coup. Au minimum. Moi et le chanteur. Reste à voir s'il a les cheveux épais. A noter que ces bestioles sont les meilleures sources d'XP en dehors des dragons. Mais c'est des blattes. Je vous ai raconté ça, oui. D'ailleurs, en vrai, je sais pas si le musicien... est-ce qu'on voit sa tête sur Google Images par exemple ou quoi? Invocation or. Bah c'est pas grave. On sait que eux juste en tapant ils peuvent le tuer. T'as là appelé l'ambulance parce qu'elle pensait que j'avais le cancer. Ah mais en fait vous êtes tous fous dans votre famille. Eh pourquoi il a... Pourquoi il a pas mis le point de vie? Pourquoi il a 1 million de points de vie? Ça va. L'astuce c'est que t'en butes un, s'ils sont 3, tu les laisses invoquer un kumkum, chacun 2, c'est facile à tuer. Trouve pas sa tête. Damn. Bah dans ton frigo MDR. Après je suis pas là pour farmer, moi je suis là pour taper du boss. Et non pas taper du bosc. Qui est un acteur, humoriste. Qui n'a rien demandé à personne finalement. Ashara garde pas les têtes. C'est vrai. Il ne garde que les organes. Dans mon frigo, il n'y a pas de tête. Enfin, des têtes de poisson de temps en temps. Des têtes de poisson, mais qu'est-ce que tu fais avec des têtes de poisson?
J'ai vu les succès Steam pour ce jeu. Pas du tout. Je suis tout sauf un chasseur de succès. À part si le jeu, je l'ai overkiffé, que je reparte sur Steam et que je vois, oh bah, je suis à 70%. Je regarde les succès et je me dis, ouf, ça peut être faisable. Ce que j'ai fait par exemple pour Rogue Legacy. Du coup, je l'ai fini à 100% au niveau des succès. Et c'était le premier jeu que j'avais fini à 100% avec les succès. Mais sinon, bats les couilles. Frère. Là, je sais que c'est à droite. Quand t'as les poissons entiers, t'as aussi la tête. Oui, mais généralement, quand tu dis j'ai une tête de poisson, c'est que tu as une tête de poisson et rien de plus. Alors, l'un d'eux, c'est monter tous les jobs de tous les persos niveau 99. Mais ça, par exemple, c'est nul, c'est juste du farm, quoi. C'est pas marrant. Idem, je regarde le succès, j'essaie de voir ce que je peux avoir, et si j'ai pas le 100%, bah... Succès, terminer le jeu de fond en difficile, c'est mort. Après, c'est pas la difficulté qui m'effraie. C'est juste passer du temps sur un jeu que j'ai déjà fini, genre moi je suis là pour l'histoire, je suis pas là pour farmer, quoi. Et refaire un jeu 14 fois juste avec des niveaux de difficulté différents, pareil, ça m'intéresse pas. Bon, récupérer tous les objets et compléter le bestiaire, c'est intéressant. Pour toi. Moi par exemple, tu vois, tu me dis ça, je suis en mode, ouais, bah, ouais. Ça me vend pas du rêve, tu vois. Modifier la save pour te rendre plus puissant. Hey. Je vais ouvrir ma save avec Notepad++. Mais là, pareil, je comprends pas comment ça se fait que Maurice et Refia one-shot plus. Pourquoi ils ont plus de 1000 points de vie là, les Koum Koum? Ça a changé, hein, la tour de cristal. Depuis hier. La plupart des monstres, tu les trouves en chemin. Faut juste faire gaffe à pas oublier. Ouais, mais voilà, et après, tu vois, genre, t'es obligé de regarder sur internet pour la suite. Pour savoir exactement où sont les ennemis qui te manquent. C'est pas le fun. Le fun est décédé. Surtout qu'il y a des zones, tu peux pas y repartir. Genre par exemple la zone avec Léviathan. Du coup, ben c'est chiant en fait. Le seul moment où j'ai cheat dans un jeu solo à la limite, c'était pour le glitch des clés sur Borderlands 2 que tu as fait le. Moi j'ai pas fait un cheat, moi j'ai fait un tuto d'optimisation de fichiers sur Borderlands. Pire succès dans Final Fantasy VI. C'est quoi le succès du coup? C'est où la suite? C'est par là. C'est pas de la... Non. Léviathan, Château de Hain et les monstres qu'on trouve avec l'Enterprise. L'Entreprise. Mais en soi, tu peux jamais finir le bestiaire. Ah, enfin sur... Ouais, non, si sur Steam, tu peux. Mais sur... sur NES, tu pourrais pas. Vu qu'il y a le... Bah si, 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 si. Enfin, il y a le dragon d'eau, là.
promets si tu peux pas. Non mais je parle dans l'idée, pas forcément. Y a pas de succès sur Steam, tu vois, donc Joseph. Mais dans l'idée du coup, si sur NES tu pourrais, mais pas sur Steam. À cause du truc que t'avais expliqué là, du... Je sais plus comment il s'appelle, le mob. Ah toi aussi tu t'es fait ban de GTA V, c'est comme Foxy. Je comprends pas pourquoi vous trichez. Oh! Lunes a résisté à un koum-koum. Vous pouvez applaudir. Je me suis fait insister par des mecs qui disaient ce cheat est indétectable. Croire des gens sur parole en 2019. En fait, pour FF6, pour commencer, tu dois tuer tous les monstres du jeu, hormis la plupart des boss. Ne pas oublier certains qui, comme FF3, sont plus trouvables une fois passé certaines zones. Ensuite, la partie fun commence. Encore une fois, je suis pas sûr. Non, c'était à droite. Je suis pas sûr que fun ce soit le bon mot, mais. C'était en 2017. Ah bah ça va. J'avais 13 ans. C'est vrai que. Tu es un enfant. Tu es un enfant, Harry. Tu es un pigeon, Harry. Ça marche aussi. Mais non, c'est pas un pigeon, c'est un être humain. T'es bête. Tu es un drameau, Harry. Yeah, j'ai gagné une super potion. Ça, c'est la super potion qui carry. Regardez. Hop. Oh, des shinobi. Chaque monstre apparaît. Salut Herkelion. On va finir le jeu ce soir. Sache-le. Chaque monstre apparaît dans une zone particulière du jeu et tu obtiens un des persos du jeu. Ok. Et calmez-vous sur Refia. Personnage peut apprendre les capacités des monstres grâce à une de ses capacités. Genre manger. Hashtag Quina. J'aurai approximativement vu 7% du jeu. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura le débrief qui permettra de rappeler l'histoire. Ah bah voilà, le stream de vendredi. Ah bah bravo. Ah bah super. S'il avait tapé à moins de 800, ça aurait été bien, il aurait eu sa vie en jaune. Merde. Oh, je sais ce que je vais faire. Magie de soin. Oh. Allez, j'utilise mon joker fuite. Mais arrêtez de taper Refia, bordel de cul.
antidote. Polir. Tu fais inviter dans un groupe Steam en plein live, ça tourne mal. Ben en fait, comment vous dire, c'est un peu particulier la capture de FF3 parce qu'en fait, au début je capturais le jeu comme n'importe quel jeu. Sauf que par exemple la cinématique du début du jeu, elle s'affichait pas. Du coup je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir un moment une cinématique, qu'elle soit pas visible et que du coup je galère parce que c'est en plein jeu. Du coup je fais la capture de mon écran. Et du coup toutes les notifs vous les voyez. Alors que d'habitude elles sont invisibles. Wow, critique à 291. Wow. Ah non mais Groudon, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, moi je trouve pas ça fun en fait. Genre c'est vraiment pas des succès que moi je ferais. Tu vois les succès de Rogue Legacy sont cool. C'est en mode finir le jeu ou débloquer des trucs, voilà, des trucs à la con. Et ensuite t'as boss optionnel 1, battre boss optionnel 2, boss optionnel 3 et boss optionnel 4. Puis voilà. Ce sont des boss qui donnent du challenge. Et du coup là c'est sympa. Merde. Mais non mais t'as dit que par exemple le bestiaire c'était marrant ou je sais pas quoi. Là. Ça l'est pas. Hein. Alors que Shrimpan joue à Rocket League. On appelle ça de l'ironie. Mais je sais pas, tu l'avais pas du tout dit sur un ton de l'ironie en fait. Et à l'écrit, détecter l'ironie, à part si tu mets un kappa ou un truc du genre, c'est compliqué. C'est le principe des différents canaux de communication. Tout ce qui est écrit, il y a moins d'informations que si on était à l'oral. Du coup, il faut être plus implicite. Merde. Ah, j'ai plus de soins. Un soin simple. J'aimerais être à la place de Groudon et de donner des conseils sur un jeu que je connais, c'est une sensation très satisfaisante. J'aime être arrogant. Ouais, enfin Groudon était pas loin de se faire time out, tu vois, plusieurs fois. Pour spoil. Donc si c'est ton kiff. Dis-le. Ben en 2034 quand je ferai Mass Effect. Combat machin. Oui, non, mais ça je veux bien. Ça, j'ai bien compris, Groudon. Mais tout à l'heure, si je te relis, tu m'as dit. Tu m'as dit. Monter tous les jobs niveau 99 de tous les persos, machin, lol, machin. Et après, t'as dit. Par contre, récupérer tous les objets et compléter le bestiaire, c'est intéressant. Parce que le jeu t'indique ta progression. Donc non, c'était pas de l'ironie. Tu disais un fait. Et c'était à ça que je faisais allusion. Ça s'en était pas. Eh oui. C'est ce que je disais. Ouais, 2034, je retiens. C'est con, il n'y a pas 02. Il aurait pu me voir fuir devant ses ennemis qui détestent. Pouet, pouet, pouet. Ah. C'était par là, il me semble.
Oui. Alors que Titi Bay, fondateur Console Fun, joue à Counter-Strike Global Offensive. Pire site, hein, n'allez pas dessus. Je peux vous dire ça, j'ai fait des vidéos pour le site, donc je suis légitime. Il y a des objets qui sont fichtrement bien planqués. Tu connais tous tes amis Steam? Non. Par exemple, Shrimpan, qu'on a vu tout à l'heure, qui joue à Rocket League. C'est un mec que j'ai rencontré justement sur Rocket League et on avait déliré, il m'a ajouté en ami. Et... globalement, j'ai un dossier Rocket League avec les gens qui m'ajoutent, mais genre en mode eh, on rejouera. Et moi, je suis là en mode bah non. Bah non, en fait. Genre, j'ai jamais rejoué avec les gens qui m'ont rajouté sur Rocket League. Mais ça leur fait plaisir. Salut FX. J'ai pas d'amis, ça arrive. Ça s'achète pas cher sur le bon coin. Au pire, Dramo voudra bien être ton ami. T'as jamais rejoué avec moi à Dota Underlord? C'est vrai, mais j'ai pas rejoué à Dota Underlord tout court. Et je l'ai désinstallé. Donc du coup... ceci explique pourquoi j'ai pas rejoué. Avec toi. Depuis que je donne des subs à Lund, on est amis. Exactement. J'aime aussi beaucoup ta carte bleue. Enfin, celle de ta mère, du coup. Je reçois mon deuxième écran demain, normalement. Yes. J'ai pas encore fait de spoil, je peux. Non. Double capa, on sait jamais. Bah, ça s'annule, en fait, du coup. C'est comme les maths. Moins et moins, ça fait plus. Remember quand Dramo a commandé des tacos alors qu'il voulait pas. C'est un grand moment. Ne laissez pas votre carte bleue entre les mains de Dramo, d'ailleurs. Seulement par confusion avec un taco, j'avais été assez de ma mère. Eh oui. Je vois dans le futur. Et alors, d'ailleurs, pour l'anecdote, on a un streamer faisant en même temps, dans des streams différents, bien sûr, FF9 Unleashed, et le succès dont je t'ai parlé avant sur FF6. Ah, par contre, on peut parler de quelque chose d'honteux. C'est honteux. Sur Steam, il y a la plupart des Final Fantasy. Donc, 7, 8, 9 notamment. Et en fait, il se trouve que... je finis avant d'enchaîner sur le boss final. Et il se trouve que... rien n'indique que certains sont des remasters et d'autres non. Enfin, remaster, lifting fonctionnel et visuel. Et par exemple, FF7, 9, 10 et 12 ont eu un relifting et pas le 8. Mais ça, rien ne l'indique. Hein. Et là, ils vont ressortir du coup une version remaster, qui est juste la version comme les autres qui sont déjà présents en fait sur Steam. Et pour les gens qui ont déjà acheté le FF8 sur Steam, eh ben niquez-vous, vous achetez un nouveau jeu. Et on a regardé avec un collègue tout à l'heure, rien n'indique, enfin rien dans la presse, sur internet, ça choque personne. Moi ça me choque, est-ce que je suis tout seul à être choqué? Alors je connais un mec qui avait oublié de couper une cam girl en allant se coucher, qui s'est tapé une facture de 800 €. En plus, c'est con, il peut même pas en profiter du coup, s'il est parti dormir. Petite statue et tout. Ah, alors attention.
Ha ha ha! Imbécile, ceux qui voient leur reflet dans ce miroir se trouvent affligés du sort des 5 wyrms. Je ne peux pas bouger. Moi aussi ça me choque, ok. N'ayez pas peur! Le parent joueur avait fait fuite. Ah oui, ouais. Doga, est-ce vous? Je vous ai dit que nos âmes étaient immortelles. Seules 5 âmes possédant un cœur de pure lumière peuvent briser le sort des 5 wyrms. J'irai trouver les 5, ne perdez pas espoir. Je reviens tout de suite. Bah de toute façon on peut pas trop bouger donc... Ah, alors il y a elle du coup. Donc je sais plus comment elle s'appelle. Il y aura très certainement... Il y avait pas... Non, je sais plus. Ingus court un grave danger, princesse Sarah. Je dois vous demander de me suivre. Ah, il y aura très certainement le père de Refia. Seuls ceux qui ont un cœur de pure lumière peuvent briser le sort des Wyrms. Et vous êtes l'une d'entre eux. Nous aideriez-vous? Il devrait y avoir Cid aussi, je pense. Ingus, en danger? Le chef Totoro? Vous devez m'emmener, je vous accompagne. Et le prince de la forteresse de Garuda, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je tente des choses, hein. Je piffe. Tu peux pas bouger, mais t'as la tremblote. Parce qu'on lutte, tu vois, mais... Cid, nous avons besoin de votre aide. Voulez-vous venir? Lunès a des problèmes? Vous n'avez pas à me le demander deux fois. ans plus tard. T'as plus qu'un squelette, comme ça. Alors, ça, c'est ce que je me disais. Je me disais, ça pouvait être les gens qui accompagnaient. Mais lui, il est mort. Ah, merde, c'est qu'un tas de lave. Desh, j'espérais que vous soyez encore là. Il fait chaud par ici. Deus ex machina. C'est n'importe quoi. Donc c'est les accompagnants. Desh, vous êtes vivant. Bien sûr, quelle question. Et vous êtes qui? Je viens juste de réparer le réacteur de la tour, il était moins une. Quelques secondes de plus et le continent flottant se faisait griller. Excellent, maintenant, voulez-vous bien aider Refia? Un problème après l'autre, hein? Bien sûr, comptez sur moi. Et si tu luttes une deuxième fois, tu reluttes. Tu reluttes tutut, même. Chapeau pointu. Donc là, c'est le prince, là. Avec... Bah, c'est Brutus, du coup. Le fils de César. Ces moments, on est d'accord, mais pas du tout. Souverain de Saronia, Maurice et ses amis ont besoin de votre aide. Maurice en danger? Je viens. Ah oui, César. Bah oui, César. Évidemment, César. On l'a assez vu. C'est qui? Mais non, mais on a dit 5 âmes, pas 9. Qui m'accompagne pour aller aider Lunas et ses amis? C'est le moment de faire quelque chose d'utile. Vous pouvez compter sur moi. Ça n'a aucun sens. Eux, on les a vus à un moment. On n'a aucune attache à eux comparé aux autres persos d'avant. C'est vraiment en mode, ah merde, on a dit 5 et pas 4. Ah, il nous faut une cinquième personne. À la boulette. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. A tout de suite. Bah, ma théorie sur les PNJ était plus logique. Hein. Les 3 autres ne pouvaient pas venir. Comme c'est nul.
Lunès, Maurice, Refia, Ingus. Nous contrerons le pouvoir des Wyrms. Vite, vers le miroir. Ah bah ça va, le vieux, il a eu le temps de t'expliquer. Vous devez empêcher les ténèbres de recouvrir le monde une fois de plus. Ah bah c'est bon. A priori. Arya est morte et Doga et Nain ne pouvaient pas venir. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ma théorie était mieux. Parce que du coup, le maître Totoro, là, ça faisait un peu le PNJ lié à Lunès. On avait le père de Refia pour Refia, le forgeron. On avait la princesse pour Ingus. On avait Cid qui était, c'est le mec qui nous a ramené, donc ça fait un peu un rôle important. Et Brutus qui était lié à Maurice. Puis voilà, il y avait de la logique. Allons-y. Il pleut. Refia, je trouve ça plus logique avec Dash. Ouais, mais techniquement, il était censé être mort. C'est ça le truc. Dernière fois qu'on l'a vu, il a sauté dans de la lave. À la limite, qu'ils soient encore vivants, mais pas avec son enveloppe physique, why not? Une enveloppe un peu magique. Mais ça n'a pas de sens. Brutus, le simili de Maurice. Exactement. Alors que Titi Boy, fondateur de Console Fun, joue à Counter-Strike Global Offensive. Xande, hahaha, j'admire votre ténacité. Or tu feras attention, t'es tout gris. Mais vous êtes arrivé trop tard, les ténèbres sont déjà sur le point de recouvrir complètement le monde.